Yo tout le monde, c'est Cross et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Mobile les gars. La nouvelle saison 9 est sortie les gars, ça fait toujours plaisir. Entre la saison 8 et la saison 9, j'ai pas trop joué, on va pas se mentir les gars. On peut voir les vidéos quand même qui sont sorties pendant la saison 8, ouais voilà, c'est pas beaucoup. Du coup on est là pour découvrir les nouveautés de la saison 9. Je vais vous présenter tout ça les petits potes et on est très heureux parce qu'il y a le retour du mode zombie mais qu'on verra jusqu'à la fin. Car c'est le truc le plus important on va dire les gars, donc on va prendre notre temps pour le mode zombie. Et des nouveaux outils qui vont nous servir à jouer en multijoueur, que ce soit dans le Battle Royale ou en multijoueur les gars. Donc let's go, on part dans équipement. Déjà on peut voir qu'il y a un équipement spécial pour le zombie, donc ça fait plaisir, on pourra créer nos petites classes et jouer dans le zombie avec nos classes, ça fait plaisir. Et dans le multijoueur les gars, comme nouveau atout mortel, donc on a le C4 les gars. Comment ça se fait que j'ai pas la grenade de contact hein? Donc, le C4 est nouveau sur cette saison, on peut le débloquer au palier 14 du pass de combat, les gars, c'est gratuit, donc on arrive au palier 14 et on débloque le C4. Je pense que ça va être un truc que je vais beaucoup jouer, les gars, je kiffe le gameplay avec le C4, du coup, voilà. Et on a aussi été gâté, un nouveau fusil d'assaut est sorti, les gars, on part directement, le Krieg. Si vous jouez normalement à Call of Duty, autre que Call of Duty Mobile, les gars, je pense que vous connaissez cette arme. De ce que je vois, elle est grave stylée, les gars, et elle est débloquable au palier 21, c'est gratuit, au palier 21 du pass de combat, les gars. Donc on arrive au palier 21, on débloque le Krieg 6, et on arrive au palier 14, on débloque le C4. Donc ça fait plaisir, c'est des trucs assez faciles à débloquer. J'ai trop envie de tester ce fusil d'assaut, du coup, je suis trop hype. La plus grosse nouveauté de la saison 9, les gars, le zombie est de retour, franchement, ça fait plaisir, ça fait kiffer. Et regardez l'interface, ouais, ça me donne des frissons, hein. Ça me donne des frissons, ça me rappelle en 2019. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo sur le zombie, les gars, ça fait toujours plaisir. La dernière vidéo zombie, ça fait 2 ans, je pense. Clairement, c'est ma deuxième vidéo, je pense, un truc comme ça. Je sais pas. Mais voilà. Donc, comme je vous ai dit, on a un équipement spécial pour le zombie, du coup. On peut choisir le skin, la classe, le couteau. On peut aussi choisir les classes sur nos armes, du coup, ça fait plaisir, les gars. On peut choisir des camouflages d'objets, le camouflage de véhicules aussi. Je sais pas s'il y a des véhicules, en vrai, j'ai pas encore testé. Mais ça me hype. Franchement, ça me hype le retour du zombie. Du coup, il y a le mode zombie classique qui est normal, ça se joue en 4, ça va être une escouade. Donc aussi, on a aussi le zombie classique didacticiel. C'est un petit peu un camp d'entraînement pour apprendre et tester un petit peu, les gars, se reconnaître un petit peu dans la map. Quand on termine le zombie classique normal, les gars, on débloque le zombie classique hardcore. Ensuite, quand on termine le zombie classique hardcore, on débloque le zombie infini. Ça fait beaucoup de zombies classiques, mais voilà. Comme carte, jusqu'à maintenant, on a que 7 cartes, Shinonuma, du coup, voilà. Donc les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous kiffez, c'est un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas à t'abonner pour de nouvelles vidéos découvertes de la saison, ou des nouvelles armes, ou du nouveau mode zombie qui fait trop hype. Je suis trop content du retour du zombie, ça fait trop plaisir, l'ancien mode zombie, il y a deux ans, donc ça fait trop plaisir, les gars, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je le teste. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si j'ai oublié des trucs, les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je lirai tous les commentaires et j'essaierai de répondre un maximum, les gars. Ça fait trop plaisir. Du coup, petit résumé de la vidéo, je suis trop content. Voilà. Allez, vous dites tous, ciao.